des bougies et une foule immense pour condamner la violence aveugle. C'était hier soir à Sanaa, la capitale du Yémen. Des centaines de personnes ont défilé pour soutenir le régime dans sa lutte contre le terrorisme islamiste au lendemain d'un attentat sanglant. Nous condamnons le crimineux qui a été commis et nous demandons au président de nous débarrasser des sabotages d'Al-Qaïda, dit cette jeune femme. Un groupe islamiste proche d'Al-Qaïda a revendiqué l'attentat commis hier sur une place de la capitale. Un kamikaze s'est fait exploser au milieu d'une parade militaire, faisant au moins 90 morts et plus de 200 blessés. Le président Barack Obama a assuré le Yémen de son soutien et de la coopération américaine dans la lutte contre le terrorisme. Les États-Unis mènent actuellement avec l'armée yéménite une vaste offensive contre les militants d'Al-Qaïda dans ce pays.